Bonsoir à tous, c'est Jean-Marc Carin. Ce soir, c'est la grande dégustation à l'aveugle et en public de quatre grands châteaux de l'appellation Margaux et en plus dans ses plus prestigieux millésimes. Alors, les résultats simplifiés sont que Palmer, qui est le cru le plus cher, n'affiche sa suprématie qu'en 2011. Brandt-Cantenac, lui, obtient la meilleure note de la soirée. Et la grande révélation, c'est la présence du château Issan qui arrive second au total des points et qui est le cru pourtant le moins cher des quatre. Comme d'habitude, tous les détails et les notes et les commentaires sont sur mon site. Merci et à bientôt.